Good morning, allez, il est juste aujourd'hui le lundi, je m'attends sur le Jimen Khana, Janine Rude, pas de votre nom, Alfred, Naklo, Chambo, Ben Shalom, Ishaya, Ben Nida, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étions dans le Sechet Brachot, Perik Vav, Mishnah Dalet. Ayou le fanav minim arbe, Rabbi Yehuda Omer, Mish Benem, Mimin Shiva, Mevarech Alav, Vachachamim Omrim, Mevarech Alize Mehem Sheirtse. Mishnah qui s'intéresse à la loi des priorités des Brachot, ceux qui se souviennent du 5 minutes éternelles, on avait plusieurs fois évoqué le sujet. Étaler le sujet dans plein de détails, ça démarre à partir de cette Mishnah, puis la Gemara, et ensuite les Rishonim comment interpréter, et la Halacha dans Shulchan Aruch, plein de marloquettes et des lois très complexes. Pour notre Mishnah, c'est très simple, c'est pas compliqué, on présente juste la base de la marloquette. Ayou le fanav minir marbe, il y avait devant lui plusieurs espèces. D'abord, je traduis, après on interprète mieux. Donc il y avait plusieurs espèces, disons, soit que des fruits de haetz, des pêches, de la mangue, du raisin, des figues. Et donc sur lequel prononçait la bracha. Rabbi Yehuda Omer, Im yash benem mimin shiv'a, mevarech alav. Rabbi Yehuda me dit, s'il y a parmi eux des sept espèces, les sept espèces sur lesquelles la Torah a fait l'éloge de la terre d'Israël, on va expliquer ensuite c'est quoi exactement, eh bien, il faudra les choisir à eux pour faire la bracha. Vachachaim omri, mevarech alezemem shirtzeh, ramim disent, il fera la bracha sur celui qui, sur ce qu'il veut. Mais plus précisément, c'est pas sur ce qu'il veut. C'est sur celui qu'il désire le plus. Soit, lorsque tu fais une bracha, il faut choisir le meilleur, le plus beau, le plus honorable pour prononcer la bracha dessus. Entre parenthèses, c'est fréquent de voir des gens qui vont vous faire à Mossé de Réminares, ils ont un pain devant eux, une belle tranche, ils vont couper un petit bout, Non, quand tu le fais, il faut que tu le fasses sur le plus grand, sur l'entier, c'est très important aussi, que un fruit entier, ou un pain entier, ou un pain grand. Une fois que tu as fini entièrement ta bracha, tu le coupes. Pas tu le coupes pendant que tu fais la bracha, sinon tu fais la bracha sur cette petite miette. Et voilà, sur ça, tu fais merci que tu m'as donné une miette, et après tu te manges un fruit sans. C'est pas digne, tu prends le plus beau, et sur lui, tu fais la bracha à Hachem, en remerciant Hachem qui t'a donné des fruits, qui t'a donné du pain, qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné. D'accord? Donc, et la question maintenant est de savoir, j'ai deux possibilités. Dans la Torah, lorsque la Torah elle vante la terre d'Israël, elle fait l'éloge de la terre d'Israël. Hachem, il va nous amener sur une terre de Rita ou Seura, Gefen Teena, Verimon, Eretzet Shemen, Chalav ou Dvash. Soit, Eretz Rita ou Seura, le blé, l'orge, Gefen Teena, Rimon, la vigne, la figue et la grenade, Eretz Zet Shemen. Zet Shemen, c'est le Zait, on fait de l'huile avec, ou Dvash, Eretz Shemen ou Dvash, pas Chalav ou Dvash. Cette chemin de vache, quand il y en a que le miel, c'est parce que les figues, les dattes, quand elles sont très mûres et grosses, elles font couler du miel naturellement, c'est du dvash tmarim. Donc ça c'est le dvash, c'est les tmarim. Donc en fait, on a en fait les sept espèces. Il y a deux espèces qui sont adama ou mesonote, le blé l'orge, et les cinq espèces de fruits. Donc le raisin, grenade, gefen teena verimon, raisin, figue et grenade, et zet shemen et dvash, et l'olive et le tamar, la date. Ok? Donc en fait, on a ces cinq espèces-là, et à part ça, il y a d'autres fruits qu'on apprécie beaucoup. Moi, j'aime plus la mangue que le raisin. Donc maintenant, je dois faire mon repréhète, et j'ai devant moi soit la possibilité de faire sur une mangue ou de faire sur un raisin. Qui choisir? Rabbi Yehuda me dit, écoute, si la Torah le fait l'éloge de la terre d'Israël en disant, viens sur ma terre, que Hachem nous promet une terre où il y a dedans du raisin, il nous a dit qu'il y a des mangues. Même s'il y avait des mangues, c'est expliqué, dans la Gemara, il y avait toutes les espèces du monde, elles étaient toutes en terre d'Israël. Comme ça, il n'y a pas de problème. Même les petits piments de. C'est écrit dans la Gemara, les petits pimpels qui viennent de je ne sais pas où, imaginez des piments de Cayenne ou je ne sais pas quoi, tout, même ça pousse en terre d'Israël. Il y avait tout en terre d'Israël. Mais la Torah, elle a fait l'éloge de ces sept fruits. Donc ces sept fruits, c'est les meilleurs. Alors si toi, tu préfères une mangue parce que tu ne vois pas l'intérêt de manger un raisin, c'est pas ça change rien à la donne que le raisin, il est plus meshoubar que la mangue, selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi me dit non, pas du tout. Celui qui t'éveille le plus de volonté, d'enthousiasme, sur lui, tu prononces la bracha. C'est leur marloquette, d'accord? Précision aussi importante. Pour la bracha, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, ça sort une marloquette rishonim et dans le Shulchan Aruch. Les deux avis sont emportés. A priori, tu choisis les sept espèces comme Rabbi Yehuda. A posteriori, tu choisis le
Et le Rambam, il pense que la halakha, elle est comme Chachamim. D'ailleurs, le Rambam a écrit, la halakha Chachamim, que tu dois choisir sur celui qui t'éveille le plus d'envie de le manger, le plus d'enthousiasme, c'est celui qui fait la bracha. Concrètement, on revient pour la bracha, tu fais sur cette espèce a priori. D'accord? Il y a quelques conséquences, on va rentrer dans les détails. Maintenant, il faut savoir, à l'intérieur de cette espèce aussi, il y a une hiérarchie. Ceux qui sont prononcés, si vous faites attention, il y a marqué Eretz. Regardez le nombre de fois où il y a marqué Eretz. Il y a 5 et 2. Eretz, Chita, Seora, Gefen, Tena, Verimon, et Eretz, Zet, Shemen. On a, selon la règle, toute espèce qui est écrit le plus proche du mot Eretz, il est prioritaire sur l'autre. Donc en fait, on a dans l'ordre Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Donc on a en fait l'olive et la date qui sont prioritaires sur le raisin. Et puis ensuite, par ordre de priorité, en fait, ça fait olive, date, raisin, figue. Et seulement après grenade, d'accord? Et a priori, tu devras choisir donc, en fait, l'olive. Si tu as des olives aussi à manger, tu peux faire une bracha. Tu fais sur l'olive a priori, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Salah.